Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Resident Evil Village sur PlayStation 5. Du coup, nous venons de terrasser Geneviève de Fontenay avec son gros boule. Et on continue toujours à la recherche de Rose. Elle nous a donc révélé qu'ils avaient besoin de Rose, mais on ne sait pas trop pourquoi encore. Ma théorie, c'était qu'il y a un truc génétique du fait que Mia et Ethan ont. Sont contaminés, je pense. Donc, elle doit avoir un truc de spécial. Oh non. Non, 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 mais attends. Alors, on est dans Resident Evil. Resident Evil, ils adorent nous mettre des poissons qui te bouffent. Salut, Guillaume. Mais tu peux les grailler. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à les tuer? Au secours! Resident Evil? Ils ont toujours aimé les trucs aquatiques, mais ça. Je peux pas les choper? T'es vraiment mauvais, Ethan. Mais c'est pas possible, fais un effort! Oh, putain, faut vraiment aller les chercher, what? Plus réaliste, s'il vous plaît, la chair. C'était pas assez, là. Et je me fais graille maintenant. Non, je dis maintenant. 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 Stop, faire un truc réaliste, tu mets un coup de couteau, il meurt, Osef. Putain, ils nous font chasser le poisson pour de vrai là. Parce qu'ils ont toujours aimé mettre ou des vieux crocodiles ou des gros monstres qui te bouffent là dans l'eau. Oh non, mais non, mais en plus je me rappelle maintenant, vous savez, quand on s'est fait capturer au tout début, il y avait des persos très bizarres là, ça me fait peur. Ingrédients communs, ok. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers votre destin. Quand la lune de minuit s'élève, portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, mais... Ô puissant, entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, gloire à Mère Miranda. Hé, hey, vous vous souvenez de moi? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Comment un homme peut-il faillir à son destin? Cela mérite réflexion. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée? Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Mais c'est quoi ces conneries du Moyen-Âge? C'est qu'un bébé? Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les énigmes. Dites-moi où est ma fille. Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, hey, revenez! Ok, elle m'a enfermé. Par contre, on m'explique. Pourquoi je peux pas enlever ce porte-clés de merde? Du coup, alors j'ai jamais retenu son nom, Dimitrescu, là, c'est bon, c'est fait. Donc il y aurait 4 zones, j'imagine. Heisenberg, lui on connaît. Et les autres, je sais pas. Beneviento, ouais, je sais pas comment ça se dit. Moro. Et on voit le Umbrella. Là, tout autour, là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, tu fais les 4 trucs et t'accèdes à la tour finale, je ne sais pas. Le château Dimitrescu, c'est du pipi de chat à côté de la suite. Quoi? Rosénic. GG Zénic. Go gratter tous les trophées que tu peux. Hein. Du coup, elle est très bizarre, ça se trouve, c'est le boss de fin, PTDR. Une clé, elle est, ok. De toute façon, ouais, mais même au tout début, il y avait des clés, enfin, il y avait des portes verrouillées.
Bon, après, du coup, pour eux, je sais pas jusqu'où tu t'es allé, mais je sais pas, ouais, si je vais te dépasser ou pas. I don't know. Mais la carte au trésor, je vais la garder là? Alors j'en ai pas besoin? Are you fucking serious? Mais je l'ai trouvé le trésor! Pour eux, faut être bien éclairé. C'était bien dans le donjon avec les deux lumières. Je l'ai trouvé, pourquoi ça le désintègre pas là? Examiner. Parce que ce qui est chiant, c'est que quand je vais utiliser un objet clé, je vais avoir tous les objets, il va y en avoir 1 milliard là. What the fuck? Salut Guillaume. Ça va? Bien, bien. Bien ou bien. On s'est débarrassé de Micheline. J'espère que t'es pas trop triste. Et du coup, je sais pas où on ressort. Si on revient au niveau du cimetière ou. Je sais pas trop. I. J'ai dit I. Merci. Ouais, la fameuse cheminée rouge. J'ai pas souvenir de l'avoir vue, cette cheminée rouge. Waouh. Les quatre? Non, il y en a que trois. C'est pas ce que je pensais. Lieu de cérémonie. Ah si, il y en a quatre. Ouais, je sais pas trop. Elle sera sacrifiée ici, Rose. R.I.P. Umbrella. Ça semble familier. Ça, on peut pas l'ausculter d'un peu plus près, d'ailleurs, là, le bocal étrange. Ah oui, c'est ça qu'il faut en 4 fois. Enfin, attends. Attends. Y a pas un truc où tu peux les insérer ou je sais pas quoi. Ou c'est pas pour tout de suite, je sais pas. Mais j'imagine que c'est les 4 trucs qu'il faut récupérer pour faire quelque chose, dirons-nous. J'en sais rien. Je dis des trucs, je sais pas. Bah, welcome back, Guillaume. On pourra aller piller le monde de Poro ensemble, le sang. Allez. Après, le village est quand même malaisant. Hein. Au moins le manoir, je savais à quoi m'en tenir. Là, je sais pas, là. Ok. Par contre, juste un petit... Ouais, j'ai tendance à ramasser les objets tout de suite. Ils auraient dû... Est-ce que tu ramasses le remettre au milieu de l'écran ou le laisser un peu affiché? Je sais pas s'il y a que moi que ça le fait, ça. Genre, tu ramasses le truc en vitesse et du coup, tu sais même pas ce que tu ramasses. J'espère qu'il est bien mort. Oula. J'entends gémir. Grogner. Je sais pas. Il y a des mecs en bas, là. C'est ça, tu sais pas ce que tu fais en fait. Ouais, Yami, ça te fait pareil, tu sais pas ce que tu ramasses. Parce que, genre, dans le jeu, tu vas pas t'arrêter 2 secondes pour regarder ce que t'as sous les yeux, quoi. T'es poursuivi par je sais pas quoi, c'est bon. Et il me semble que dans les jeux d'habitude, ils font ça, enfin, je sais pas. Ou ça reste affiché, ou ça reste à un endroit de l'écran pendant un petit moment. Miko, Miko! Tu relèves pas, c'est bon. Casse pas les reins. Tu vois, ça s'affiche pas. Juste qu'ils le mettent à côté des munitions. Une petite seconde, comme ça, t'as le temps de jeter un coup d'œil pour voir ce que t'as ramassé. Putain, je suis dégoûté. La dague, je pensais qu'on allait pouvoir la garder, qu'on allait avoir une arme au corps à corps efficace contre les monstres. Mais non. Putain, je peux pas viser plus bas. Tais-toi. On se tait, monsieur. Oh non, mais non, mais c'était une blague, c'était. Dans l'épaule. Hein. Nice. Pièce détachée, ok. Adieu. Batum. Quoi? Il y a un bateau. Un bateau. Bateau.
Ah, j'ai pas de levier. Là, c'est même pas un levier, c'est un truc encore différent. Ça va pas être la même chose que pour les puits. L'atout. Comment tu le dis pour eux là? Wesh, je te reporte. Pourquoi il y a des. Oh putain. C'est plus la Tom. Tom et Nana, tu connais? Je massacrais, hein, donc, ça rigole plus. Pour t'es vraiment méchant. Hein. Pourquoi il y a autant de morts là? Et puis eux, c'est des gens qui sont restés normaux là, des gens du village. Bon, faut économiser un peu les pompes, je pense. Quoi? Ok, j'ai tiré une balle pour rien. Yeah, fluide chimique. Okay. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi c'est vert? T'es en train de chier? Qu'est-ce que. Ils font caca vert? Non? C'est la couleur du sol? Ok. Oui, Quentin. Qu'elle repose en paix. Cette bitch! Ce n'est pas la bonne clé. On va m'arrêter de mettre des clés partout au bout d'un moment. Putain, j'ai trois clés sur moi, mais qu'est-ce que. Mais! D'accord, je vois rien. J'arrive pas à voir le truc de la clé. Donc, faudra revenir encore avec une nouvelle clé. C'est même pas indiqué sur la map. Pour eux, on est d'accord que t'as pas réussi à ouvrir ce truc. Tom Tom et Nana, ça remonte. J'ai pu appuyer. Ok, on peut repasser. C'est quoi ça? Pourquoi elles ont des cornes? Mais qu'est-ce que, hôtel? Ah, un truc à machiner là. Attends, à droite. Porte mécanique. Mais ça, c'était au tout des. Là, faut que je revienne là aussi. Attatatatatata. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller à droite du coup? Ah, d'accord. Vous voilà. Je me doutais que vous passeriez par ici. Ça ne servit à rien. Vraiment? Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais. Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites? Regardez de plus près. Ce bocal semble contenir sa tête. Non. Non. C'est. Rose et. Putain, fermez-la! C'est impossible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui? Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation.
Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant. Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options ? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison, après tout. J'espère pour vous que c'est pas des conneries. Putain de guignol. T'es spécial quand même, hein. Puis-je choisir quelque chose pour vous ? 25 000 pour madame. Yeah. Allez, ça dégage. Oh, dame Dimitrescu, belle même dans la mort. Ce tour de taille, oui. Bah, j'espère que c'est pas une connerie de l'avoir vendu. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. 30 000, ouais. Crafter une bombe pour 2500, on prend. Ah. C'est quoi ça? Lunette grossissante. 15 000. Ah oui, non mais d'accord. Je pense qu'on va prendre ça. J'espère que ceci vous sera. Ok. Et le reste, bah, on va attendre, mon garçon. Ça fait un petit peu beaucoup là. Vous avez assez de. Mais ouais, genre la tête si dans un bocal voulez, comme ça. Je peux encore améliorer vos armes. Ah, ça s'améliore au fur et à mesure, ok. Hop. Laissez-moi faire. Ouais, donc je pense pour eux, ouais, c'est ça. Il y aura pas de nouvelles armes. Voulez. Bah qui vend ça, lui? Tout le monde est mort ici, à part les monstres. À l'ouest du village. L'ouest, il est là, hein, PTDR. Cheminée rouge. L'ouest, pour moi, c'est là d'où je viens, en fait, monsieur. Vous êtes beurré. Bon, là, je vais au sud. Hein. Ok. Du coup, Guillaume, il est... C'est un taron, en fait. Petit pépé. Quoi? Attends, c'est pas les mêmes. Quoi? Mais je pensais que c'était la bonne clé. Mais quoi? Bocal tête. Hein. Ah oui, c'est pas les mêmes, d'accord. T'as des ailes basiques entre guillemets là. Ok, et là c'est encore. Et là il n'y a pas assez d'ailes, c'est ça? Ah bah non, là il me faut 4 ailes, ok. Ok, bon. Qu'est-ce que. Oui, qu'est-ce que. Qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que, tu peux le dire, qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était quoi ça? C'était. Je sais pas. Je sais pas si on se fait à gare ici, là. Zoom. Ok. Il y a du corbac. Du coup, alors attends, moi je voulais revenir, voilà. Fouiller là. Là, là. Là, là. Là, 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 là. Là, là. Là, là. Là, 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 là. Là, 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 là. J'espère que ça vaut le coup. Pour lui, il a 49 ans. Ouf. Un gosse dans le camion, c'est mort. Easy. Il dormira avec le chien, c'est pas un problème. Pas de place pour un mouflard. Attends, quoi? Il y a encore quelque chose là-dedans, mais... Il doit y avoir une pierre incrustée que j'ai ratée, non? Coussin qui a été éventré. Non, pas le coussin. Non. Y'a rien d'autre là.
Dans le frigo. Non. Miko, mais qu'est-ce que j'ai raté encore? Mais c'est pas possible. Comment je peux rater des trucs, là? La maison, elle fait 2 mètres carrés. Qu'est-ce que j'ai raté? Les tiroirs, ils s'ouvrent pas. À quel moment je rate un truc? What the fuck, dude? Ok. Il y a une pierre au plafond encore? Mais... Ouais, je vais manger ma main. Ah ben, je sais pas. Écoutez, il manque un truc, je sais pas. Je suis aveugle, c'est bien vu. C'est bien, c'est tout sensation, des trucs grosse merde. On apprécie. Bon bah tant pis, hein. Oh, ça me casse la tête. Je suis en train de scruter les moindres décorations. C'est incroyable, ça. Les chèvres à casser, genre il y aurait une chèvre cassée là? Cachée? Une chèvre cassée. Oula! Une chèvre cachée à casser. Là il y a une chèvre là? Ayumi. Je vois pas de chèvre. C'est ce jeu qui va me rendre chèvre. Puis on voit rien! J'ai gaspillé une balle, ok. Je me suis dit, on sait jamais. Stop dire Ayumi quand c'est Ayame. Mais Ikaso, bonsoir. J'ai encore dit Ayumi? Mais JPP, hein. Aidez-moi. Ayame et Ayumi, en même temps, vous avez quasiment le même pseudo, là. Ikaso, salut les gens, passage en coup de vent. Sachez que le jeu est excellent à tel point que je l'ai one-shot. What the fuck? Merci d'être passé, Ikaso. Bon bah tant pis, je vais me casser, mais ça me rend fou. Ça me rend fou de pas trouver le truc. Ah, je vais devenir que d'un... Non mais... Vous foutez de ma gueule? Non mais Yumi elle fait partie des darons. Ayame aussi. Putain, et pour eux qui me donnent pas les indications. Pour ça, pour eux, spoil-moi. Hein, en épisode, ça me casse les reins de passer 3 minutes à chercher un item. En off, je m'en fous, mais... en plein milieu d'épisode, ça me... Voilà, ça me crispe. Du coup, alors attends. L'essentiel, la cheminée rouge, c'est-à-dire... Là, il y a une clé aussi qu'on peut ouvrir. Qu'on va tout droit, on contourne. Ok. Et ça, c'est quoi, ça? 6 ailes. Ouais, non, mais il y a combien d'ailes, en fait, là? What the fuck? Mais ça rejoint pas. Mais la map, elle est... Elle a pas pris en compte le tracteur. La map. Il y avait un cadavre avant, là? Ils étaient là, eux? Attends, il n'y avait pas tout ça. What the fuck is going on? C'est quoi ça? Point de sauvegarde, ok. On va le prendre parce que je sais pas ce qu'il y a derrière la porte, là. J'espère qu'il n'y ait pas la mort, déjà. Attends, mais... Poro? Je suis pas complètement demeuré, on est d'accord qu'il n'y avait pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Date de l'opération. Arrivée sur les lieux. Aucun signe de EW. Rose, Ethan, j'imagine.
Parce que le don, c'est quoi? C'est... Non, non, je vais pas dire de bêtises. Infiltration du village. Affrontement avec plusieurs armes biologiques. Découverte de preuves de la présence de Ethan. Rose introuvable. Mais du coup, ça veut dire que... Attends. Ça veut dire que le village... Chris... Et... Umbrella sont après Rose? Je l'ai très nuisible. Ouh là là là. Parce que ça, c'est Umbrella. Enfin, je sais pas. Non, ça a pas l'air d'être Umbrella, ça. C'est plus la team de Chris, je sais pas. Parce que Chris, c'est le star, normalement. Mais bon, ça fait 20 ans qu'ils sont morts. Donc au final, on sait pas trop. Mais... Putain, mais c'est une Rosta en fait, Rose. Ah, you mifle, quoi? What the fuck? Non, mais le jeu est efficace. Hein. Après, le 7, moi, j'ai vraiment kiffé parce que c'était en VR. Après, sans la VR, peut-être que le jeu était moins cool, je sais pas. Ça, on peut l'ouvrir, ça. Et il y a encore une clé comme ça, plutôt dans le jeu, je crois, hein, vraiment. Ouais, il y avait celle-là, mais il n'y en avait pas une autre avant? Peut-être pas. J'abuse un peu. J'en sais rien. Bon, on est dans un cimetière. Respectez-moi. Non, sérieusement? Sérieusement? Merci. What the fuck? Qu'est-ce qui vient de craquer là? Le cul de poro? Qu'est-ce qui se passe? Une poule. Ayame, il y a une poule. C'est ce que ça veut dire? It is time. Non, mais je sais pas, elle donne des œufs si on la laisse en vie, je sais pas. Parce que pareil, dans Resident Evil, ils aiment bien les œufs. Comme il y a un symbole de poule, en vrai, je pense qu'il faut les laisser en vie. Hein. Il y a moyen qu'elle donne des œufs, ou alors, je sais pas, on est censé les buter, je sais pas trop. C'est juste une zone avec une poule sur la map, je sais pas. Ayame ou Poro, vous avez Goleken. Non, 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 non. Regarde, t'as la poule et t'as le coq. C'est un coq, le blanc. C'est pas un hasard, je pense. Hein. Il y a moyen qu'elle te donne des œufs. Enfin, ce serait pas impossible. Après, je sais pas. Hein. Je suis pas dans la tête de Capcom, PTDR. Hein. Sinon, j'aurais aucun intérêt, d'ailleurs. Mais je sais pas. Parce que Poro, vaut mieux manger... Attends, what? Ok. Vaut mieux manger des œufs sur des semaines et des semaines que manger un poulet sur 2 jours, tu vois ce que je veux dire? Trust me? Comment ça, trust me? Je te fais pas confiance. Hein. Pourquoi tu voudrais des œufs? Laisse-moi. Dans le 5, on pouvait bouffer des œufs. À l'entrée du château, il y a du poisson. L'entrée du château, mais... Quel château? Quelle entrée? Qu'est-ce que... Je suis où? Moi, j'attends la réponse d'Ayame. Si Ayame, elle a pas tué les poules, je tue pas les poules. Et Ayame... Putain, j'ai eu peur. Et là, il n'y a pas un truc là-dedans? C'est cage à oiseaux, pour où tu m'avais dit cage à oiseaux, là. Il y en a une ici. Là. Mais j'en ai raté une, du coup, dans la cour du château, je crois. Mais je l'ai vraiment pas vue, hein, avec la pression de madame, là. J'ai tué tout le monde. Les poules aussi. Mais pour, tu peux vérifier si ça te dérange pas sans te spoil, bien sûr. S'il y a quelque chose à faire avec les poules. Non, non, je la garde. Hein. Même le poisson que j'ai, c'est écrit. Hein. C'est utile pour une rose. Putain, on peut pas... Oh. 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 Il y a 3 morceaux de poisson. Hein. Je vais prendre un karma. À un moment, on va se bouffer par une créature aquatique géante. Le sang... Faut vraiment les tuer, mais pour de vrai, c'est chiant, ça. On est dans un jeu vidéo, là, go faire de la proximité. Merci. Au duc? Quoi? Comment ça, apporter les ingrédients? Oula. Le duc, c'est le marchand? Ouf. Attends, j'ai un doute. Pourquoi ils m'ont dit ça? Ingrédient commun. Moi, je le garde, ça. Enfin, j'en sais rien.
Poro! Mais c'était un vrai spoil ou c'était un spoil de merde? Enfin, un ouais. Désolé. Quoi, Nick, je me spoil tout en fait. Quoi? Non, parce que si il spoil, c'est. J'ai une connerie, mais Ethan meurt à la fin, voilà quoi. Après, si t'as expliqué des trucs, c'est. Ouais, enfin, bref. Je suis désolé pour vous, vraiment. Oh putain. Oui, bah, je suis désolé, oui. Et pourquoi ils ont mis un coq? Ils ont pu mettre que des poules alors. Trois balles de... Ah non, ça a touché. Au bout d'un moment... Fuck you. Le pistolet il sert à rien, ça gratouille. Je suis pas là pour vous gratouiller le dos moi. Il m'a rien looté lui. Mais... Ok. Je suis surpris hein. Bon bah, si la maître des poules, la maître, si la maîtresse des poules nous dit qu'on peut tuer les poules, ben go tuer les poules. Ouais, j'espérais qu'il allait pouvoir avoir des œufs ou une connerie comme ça, mais apparemment, même Zenny qui me dit tuer les poules. Bon bah, let's go. On se court. Pour eux, je te déteste. Ah non, c'est bon, merci, je te déteste pas. Secours! Je rate plus les poules que Geneviève de Fontenay. Hop. Alors attends. Ah oui, c'est barré quand t'as. D'accord, quand t'as clear le truc. Mais la cheminée à l'ouest. Il n'y a pas d'ouest du village en fait, c'est ça que je ne comprends pas. À moins de revenir vraiment. Mais on. Je sais pas. Ah attends, je peux revenir là? Attends. Attends. Bon, mais du coup, je sais qu'il y a des ennemis maintenant là, dans la zone là. Si je prends là, du coup. Ah, mais c'est fermé, regardez! Mais. Mettez vos. Vos maps à jour là. C'est Hunt 1 sur 5 sur Google Maps. Hein. L'itinéraire, il pue la merde. Il court là? Ah putain. Ah mais là pareil, je vais pas pouvoir passer en vrai, ça va être bloqué là, je pense. Hein. Ouais, parce que c'est la grille qui est là, bah oui. Attends. Bah il y a une vieille charrette là. Ah ouais, la charrette elle bloque. Ah, il y a des poules là? Volaille. Mais comment je fais? Bon, c'est pas pour tout de suite, je pense. Qu'est-ce que je fais? Bonjour, bonsoir. C'était quoi? Selon la map, cette maison n'est pas visitable. Alors elle est en grise parce que je ne l'ai pas encore visitée, mais non, parce qu'elle sera en rouge normalement. Mon cul, ouais. Pourquoi elle est grise alors? Ok, super. Merci. Ah, d'accord. C'est parce que j'avais jamais mis les pieds. Il y a un métier à tisser, le sang. Ok. Métier à tisser, ouais, d'accord. Non, mais il faut arrêter! C'est quoi ce screamer sonore là? Attends, la cheminée rouge, elle est pas là quand même.
Mais non, mais j'ai pas vu de cheminée, moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui craque, c'est insupportable. J'ai entendu des cris dans la maison d'en face. Celle avec la cheminée. On est en train d'arriver en fait là. Mais on n'est pas à l'ouest du village. Il nous a dit que c'était à l'ouest, je comprends pas. Je compte aller voir ce qui se passe. Mais avec tous ces débris qui bloquent le chemin, il va falloir que je fasse le grand tour. Grand trou dans le mur, ok. J'ai pas de crochet. Enfin, c'est bien. En plus, ça m'énerve. Et c'est quoi ce buste là? Ah, c'est un trésor, ok. Reconstitué. Ça venait d'où? Ok. Du sang. Le sang, c'est ce qu'elle veut dire. Taras. Au revoir, monsieur. Attends, du coup, ça me... Attends, je suis revenu au début du... Je sais pas. Attends, je suis un peu paumé, là. Non, Fifi, lui, c'est Fifi coupe d'acier. Quoi? Oula, eh oh! Pourquoi je vois rien? Ah! Ah! C'est quoi le... Mais ah! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle a explosé, la chèvre, là. What the fuck? C'est quoi cette merde? Attends, du coup... Ah oui, je suis revenu. Ok. J'ai raté les... Ouais, je vais pas refaire le tour, tant pis. À l'occasion... Il est suspect, lui. Il semble d'être mort. Après, il n'y a pas de zombies, ils font pas semblant d'être morts, c'est pas des. Oui. C'est des loups-garous en fait. Ça, je mets la clé dedans, pef pef. Ben non, ça marche pas. Do not hunter. On est déjà passé là, ça je m'en rappelle. La poule! Il y a des poules derrière là. Il y a des poules! Je veux les tuer. Et Fiasco, dans le 5, t'avais beaucoup, enfin, tu pouvais nourrir des œufs et c'était un bon heal fort sympathique. Attends, tu vas me dire que depuis le début, je suis coincé à cause de ça? Alors que ça se... Ouais, victoire. Ça se casse au couteau, quoi. Attends, mais je suis déjà venu, mais je sais plus. On va essayer de... Revenir là si on peut, là. Je vais aller voir dans ce truc là. Et là, il y a un. Ah, cage à oiseaux. Un peu de ferraille. Ah non, même pas. C'était des cartouches. Ok. Attends quoi? Non, là. Oh là là. Ouais, dans les petits lieux par contre. Oh non! Comment ça de l'autre côté? Mais quelqu'un est repassé là, non? Okay.
Mais non, parce qu'en plus, au début du jeu, il te donne une grosse pince à ferraille, là. Donc pour moi, c'était vraiment bloqué. Enfin, ouais, bon, bref, qu'importe. Est-ce que du coup, ça... Mais non, ça rejoint pas, il y a encore un vieux tracteur qui bloque la route. Putain. Ils font chier, ces paysans. C'est un animal que j'entends ou... Toi! Pourquoi on entend couiner le truc là? J'ai envie de casser un truc. Je sais pas. C'est quoi cette merde? Attends, parce que là, du coup, le tracteur il me bloquerait. Attends. Bah, il me bloquerait la route en fait. Pour revenir là où je veux aller depuis tout à l'heure. Faudrait quoi? Faudrait un câble, un, je sais pas. Ah non, juste un cric en fait. Et tu soulèves le. Faut juste une poignée. On va aller là où il y avait le Do Not Enter. Et on va mourir maintenant. What the fuck? What the fuck? Oh non. Quoi par la fenêtre? Qu'est-ce que tu me chies des bleus carrés là? 04. 0804. Putain! Pardon. Parce qu'en plus, tu te concentres bien sur le chiffre, du coup. Bande de salopes. 070408. Tu retiens un fiasco, le matheux. 070408. Oh putain, la lenteur. Bon, après, il y a deux trucs à bouger. Je suis trop smart. Merci Fiasco. C'est le Magnum ou c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah! Pardon. Je peux arrêter d'être heureux pour trouver des trucs de merde. Un pistolet entièrement automatique. C'est un pistolet. Poro, je te déteste. Merci Guillaume. Guillaume le sang. Pour que... Ah non, mais ça ne cache pas, je ne vais pas trouver d'autres armes, j'ai même caché Gorin. Oh. Putain. Pardon. On regardera les dégâts, je sais pas. Pour l'instant, on reste avec ça. Il est entièrement automatique. Oui, mais ça reste la même chose. Pourquoi il y a des... Bizarre cette caisse. J'ai pas confiance moi. J'ai toute ma bite. Ok. Donc là on peut soulever le tracteur. Une terrasse. Oh non, j'avais pas vu mon pote. C'était une blague, c'était une putain de blague. Oh putain, mais je panique là, ils sont trop nombreux là. Mais putain, mais casse-toi l'eau avec ta vieille gueule. What the fuck? Ok. Bon, vu qu'ils étaient nombreux, je pense que j'ai bien fait d'en tuer un à distance. Hop, surtout que j'ai quand même un petit peu de balles en stock. J'ai des balles à balles. Du coup, on peut soulever le tracteur. Ah
Oh, nice, ils ont pensé à ça. S'il se relève, lui. Pourquoi tu me fais un don de 209 euros? Merci. C'est sympa les clics nouvelle génération. Il sert à autre chose ou c'est que pour ça? Ah bah c'est que pour ça, il a disparu. Ok. Mais attends, mais pour. T'es pas allé jusqu'à la maison? Je comprends pas. Pour eux qui dit qu'il va y aller, je vois. Oh putain. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah j'y vais pas en fait. What? Moi je veux juste visiter ça et arrêter en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'es pas passé en dessous? Bah je m'arrête là aussi. Je suis à 45 minutes d'épisode. What? Non attends, pour aller sauvegarder, attends. Non, non, je vais m'arrêter là, attends. C'est 45 minutes là depuis qu'on est ressorti du château. Et c'est bang, les épisodes de 8 heures, on va éviter. Attends, on va retourner à l'église du coup. Et je vais aller buter les poules. Si je peux. Ce qu'il y a, c'est que tu sais pas s'ils veulent remettre des mobs en fait. Ah, mais je peux pas là, il y a un tracteur encore qui gêne là. Eh, oula. Parce que pourquoi tu m'as dit que t'es allé jusqu'à la maison cheminée rouge? Mais non, tu m'as menti. Je te reporte. Je te boude. Ben oui, je suis à 46 minutes d'épisode. Là, j'arrive à 47. Je vais juste essayer de choper les poules. Les poules, c'était là, en longeant à droite. Oh non, mais... Il y a des gargouilles! Sérieux? Ah ben, attends. Au pire, je sauvegarde. Si je me fais emmerder par les gargouilles, je rage quitte. Voilà. Hop, et c'est bon. Prends pas pour un jumbo, moi. Oh, putain, ça rôde autour de l'église, là. Genre, il y avait un truc là, mais ouais, non, mais... Oh, putain. Le duel contre les poules, il est insane. C'est pire que les poissons. Donne-moi ta viande, babe. Hop là, ça dégage. Soit elle disparaît. C'est pas une vraie poule, hein, vous inquiétez pas. Du coup, bah, je vais pas retourner vers là-bas. Hein, sauf si Poro me dit qu'il y a un trésor sur un cadavre du père ou de la fille ou je sais pas quoi. Mais non, je vais pas me frotter aux gargouilles, c'est bon. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit un manque de texture, oui, mais à part ça... C'est bizarre parce que t'as la poutre en haut, là, qui fait le tour, qui est très bien détaillée. Et t'as le fond qui est absolument dégueulasse, on se croirait sur FF7. What the fuck? Bref. On va arrêter là, du coup, je re-sauvegarde. Et la prochaine fois, camion. Camion, camion. Ah, mine de rien, quasiment 50 minutes, là, de... d'exploration. Ouh. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et rendez-vous la prochaine fois pour aller voir ce qu'il y a derrière le camion, derrière le tracteur, je veux dire, wesh, wesh, wesh. Au revoir.